vous tous là-bas. Regardez le Congo, ce pays de Lumumba. Regardez ce pays. Regardez les droits. Regardez ce qu'on fait à ceux qui parlent. Regardez les menottes. Souvenez-vous de Lumumba. Des corrompus, des Congolais, des gens qui tuent ce pays. On tue ce pays. On tue Lumumba et continue à tuer le peuple congolais. Vous les regardez. Vous êtes des complices. Niveau de moi, complice, vous tous avec vos caméras, vous tuez le peuple congolais. On tue les gens, on tue les enfants dans des écoles, vous avez l'armée. Tu as des menaces ici pour venir m'arrêter. Va arrêter les gens qui tuent des élèves à Beni. Toi, je te dis, peu importe qui tu es. Aujourd'hui, je suis prêt à mourir à cause de toi parce que tu es corrompu. Tu es corrompu. Tu penses que tu peux arrêter quelqu'un ici qui parle? C'est ici que tu as le pouvoir. Ici, vraiment, regarde-toi, c'est la honte. Tu es une honte. C'est là où vous amenez ce pays. Je menote, vous menotez ceux qui parlent. Oh, je suis colonel, je suis triste. Colonel, c'est quoi? Les Belges sont partis. Et aujourd'hui, le peuple va parler et vous, vous allez partir aussi. L'État, on va vous balayer comme ça. Comme on a balayé les gens en Afrique du Sud. Parce que vous êtes des crapules. C'est fini? C'est fini. Très bien. Allez, amenez-moi là où vous voulez. C'est à l'initiative du groupe Épiphanie qu'a été dite le 14 janvier 2018 à Bruxelles une messe en mémoire des martyrs de l'accord de la Saint-Sylvestre, ces dizaines de citoyens morts le dimanche 31 décembre 2017 à travers le pays pour réclamer l'application intégrale du dit accord. Présidé par Mgr Fulgence Muteba, l'Église a refusé du monde, rempli comme un œuf. En sa qualité de Congolais, de leader politique, de chrétien, le chairman Moïse Katumbi Chapwe a librement pris part à cette messe. Communiant avec la très grande communauté congolaise, accompagnée au premier rang de ses collaborateurs les plus proches. Nous le savons, un état peut être de l'être, mais quand il fait ordre, les droits de Saint-Esprit, Église en Afrique, se tient debout dans ses votes et dénoncés. Dans le cœur de notre cardinal, Laurent Zéro, un de 9 cardinaux qui participent au gouvernement de l'Église catholique planétaire. Après la messe, ce qui devrait se produire, se produit. En effet, la grande foule des fidèles a tenu à ovationner, saluer, applaudir et encourager un des hommes qui incarne en ce jour les aspirations les plus profondes du peuple congolais à travers une lutte infatigable. Les images sont fortes, saisissantes. Elles sont émouvantes. Oui.
Cependant, et comme il fallait un peu s'y attendre, à la sortie, une infime poignée de compatriotes, bien évidemment téléguidés, atténue à s'illustrer par quelques verbiages écrits, sans en réalité rien faire de plus. Comme l'illustre d'ailleurs leurs propres vidéos de propagande, ils n'ont pu rien faire contre les chairman, à l'exception de quelques vociférations vite étouffées. Et comme l'illustre leurs propres vidéos, les véhicules transportant le chairman et sa suite ont défilé sereinement, sans précipitation, sans égratignure, devant leurs yeux, aux grandes dames de ceux qui avaient misé sur quelques billets d'euros pour créer la bousculade qui n'a eu lieu que dans leurs imaginations. Mais nous sommes chrétiens, tout c'est pour le Congo. Quand tu passe, ça n'a rien à voir. Nous sommes Awa et pour le Congo. C'est lui. Et laissez ce monsieur tranquille pour moi. Tout le monde ne sait pas pour le Congo et vous les personnes ici, vous voulez faire le malin. Combattant, combattant. Tout le monde est combattant ici. Non, non, nom de Dieu. Moïse, c'est un Congolais, il fait ce qu'il veut aussi. Awa, toi, Awa, tous les Congolais, vous voyez, ils sont partis, partis, parce qu'on va partir là, c'est pour le Congo. L'église de l'équipe qui toque, et comme il tire à tout cas, mais c'est là qui est un peu à moi regret. Moïse Katoum a yé awa. Oyo asalina mutuana. Ajitifié nanoute. Namwa ba mois ou des années. Oyo zalaki na fonction. Ba maman ba combattant ba bételier maboko. Ba yami ebe ba kadreye. Ba regrette. Et puis c'est mis au souci ma kasi. Awa. Le moyen qui nous a dit parce que personne n'a le mental du Congo, le Congo nous appartient. Amis de la diaspora, ceci vous concerne. Après les documentaires Un Moutété là au Japon, Willy Opelele, l'homme de culture, revient en force avec un nouveau concept, la santé pour tous. Après plusieurs recherches dans les domaines de la santé, pour lutter contre la hausse du taux de la mortalité au sein de la diaspora congolaise, voici une série d'émissions à l'attention de la diaspora congolaise dans son ensemble, pour sortir de l'ignorance. C'est le grand bembe. Le grand bon, c'est le grand bembe. Il m'a dit tout le monde, le marché. Il m'a dit tout le monde. Il m'a dit qu'il y a des sapeurs. Il m'a dit qu'il y a des sapeurs. Il m'a dit qu'il y a des lèvres, des lambas. Il m'a dit qu'il y a des grands lèvres, des koulamambo, des patis gounzouzou, des ibanko. Est-ce que c'est ma solo? Prime Résolution présente une révolution sur la santé depuis l'Irlande. Une campagne de sensibilisation contre les fléaux qui tuent les Congolais de la diaspora, entre autres, accident vasculaire cérébral, AVC. Tout ceci à cause de l'ignorance simplement. La santé pour tous, la prévention des maladies, le fléau qui décime la communauté congolaise. Talisan Zoto. La campagne de sensibilisation, l'apprentissage de premiers gestes, les gestes qui sauvent. Et il faut savoir qu'au Congo, en Afrique, on ne meurt pas vraiment de mort naturelle. On impute souvent la disparition de personnes à des causes externes, des empoisonnements, des malédictions, tout ce que vous voulez. Donc il y a ce soupçon qui n'est absolument pas fondé. Ça, c'est la campagne de sensibilisation. Il faut toujours sensibiliser ma compatriote, tout. Il y a des espoirs, communauté congolaise, tout, et si gagnons sur vos amis. Combat, il va dans quelque part. Mais combat et santé, il va dire, ah, on y est là. Et là, on va taper sa pointe de vie, tant qu'il va gêner. Pourquoi, on va dire, 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 on va dire,
malgré médecine les arrive vraiment makasi tout faut nous quitter mais ne les konabiso alelo na génération nabiso alelo toujours mon parents nabiso oyo ba uti afrique ba ya on a poto bazo ou mena formaté ce qu'il est cérébral, ou bien un AVC, c'est produit lorsque une partie du cerveau cesse d'être irriguée, ce qui entraîne la mort des tissus et la perte de certaines fonctions cérébrales. Ndeko, Talisa Nzoto, Mwana ya Congo, Nakati ya Diaspora, Talisa Nzoto, Batela Nzoto, Pe Batela Kimia. Suivez Willy Opelele désormais sur rimeresolution.com. Ami de la diaspora, suivez désormais Willy Opelele sur rimeresolution.com. Gilo Blanco. Suivez Willy Opelele désormais sur rimeresolution.com. Talisa Nzoto appelle à tous les corps médicaux, aux journalistes de la diaspora congolaise, à tous les jeunes. La santé nous concerne tous. Likambo ya santé, kobate la Nzoto, ezali ko salisa pe kobate la libota mobima. Landa biso, na série ya ba émission oyo. Likambo ya santé, etali biso nyonso. Tola. JM Service de Genève, Joël Makoma, Aimé de Nura, Yamba Miriam, la fille du roi. Jeki Ngakwa, Jonathan Bakidi. Et tape le soussou sur la vie familiale, la vie sociale. If you look at Africa and the way Africa is evolving compared to Europe, Europe, a lot of them, like, they have new medicine and all coming out because they know that, okay, some of these sicknesses, you can't see them. But a lot of Africans are waiting to see it, like, actually showing physically. Prime résolution film. Révolution pour la santé. Pour la combattre la Nzoto. Talisa Nzoto.